côté que nous apprenons, mesdames, messieurs, beaucoup de prisonniers colombiens, ils ont fait des révélations, choc, des révélations vraiment troublantes dans le dossier de la mort du président Jovenel Moïse. Nous apprenons également, mesdames, messieurs, combien comme ça pral coûter et prisonniers colombiens ça dans dossier. Évidemment nous pral parler sur ça. Pas oublier que Haïti c'est un dossier qui rentre dans l'autre dossier. Dossier là mon président Jovenel là nous dit li pas fait bac. Dossier là mon président Jovenel là faut que nous continuer bataille jusqu'à ce que nous joignent justice. Li extrêmement important. Là nous dit justice pour président, c'est justice pour pays d'Haïti. Justice pour chaque grain haïtien parce que ça qui passe là li pas replacé. Évidemment nous pral parler sur ça au-delà de ça mesdames messieurs bagarre la plus grave. J'en ai suivi DM là, dans photo ça, Ariel Henry que peuple haïtien pas reconnaître comme premier ministre, Ariel Henry que population dans pays Chili, haïtien qui dans pays Chili, m'a salué nous, m'a dit nous chapeau monsieur, nous a suivre dans petit extrait vidéo ça, côté que yon ambassadeur haïtien dans pays Chili qui font un désordre grave. Côté que nous suivons dans la photo là, dans la vidéo, haïtien qui a revendiqué Douayo, qui fait qu'on est que, eh bien, Ariel pas bienvenu dans le pays, hein? Nous capables de suivre, côté que justement, yon représentant qui frappe avec machine, yon citoyen, yon militant qui a demandé justice pour le président, qui a demandé justice pour haïtien ça qui est dans Chili, mesdames, messieurs, en 2022, ça bagay place li et nous même n'a prend droit nous n'a revendiqué droit nous pour nous demander messieurs dames yo ou même qui n'a pas Chili monsieur faut nous al porter plainte au-delà que justement représentant haïtien ça qui n'a pas Chili frappe citoyen monsieur fait délit de fuite li fait délit de fuite côté qu'il pas même prend la peine pour rester machine pour stationner machine pour connaître est-ce que citoyen blessé ou pas mesdames messieurs ça sont bagay qui grave. Pays Chili, n'a demandé pour prendre responsabilité, yo. Nous tous, nous avons photo aux citoyens, nous avons plaque machine. Monsieur, pas prendre ça à la légère, pas à la négocier avec Mounsayo, pas à la négocier avec yo, parce que ça, devant le monde entier, toute caméra est braquée, n'a pas suivi ça. Donc, ou même frère, nous connaissons après Cirelo pour négocier avec vous, ou pas qu'à négocier avec ça. Faut que nous dénoncions ça pour monsieur Sao, perdre le poste. Parce que c'est impunité ça, c'est forme d'impunité ça qui fait qu'en Haïti, nous avons gens là. Donc, monsieur, prenez responsabilité nous pour nous dénoncer cette situation ça. Parce que nous-mêmes nous disons justice pour chaque grand haïtien. Justice pour nous-mêmes qui sommes dans la diaspora. Parce que Jean Debaye Sao, pas de place. Évidemment, nous pourrons parler de ça. Et nous avons entendu, bon côté Ariel Henry, mesdames, messieurs, bagaille la plus grave. Les nab dit que Ariel Henry c'est un rena. Ariel Henry c'est un monde pas gen monde qui comprend ni et nous avons série des monde qui même dit que Ariel Henry gen des thèmes que me pas utiliser pour pas dire sous monde et bien ou a regardé dans photo ça. Ariel Henry a joué avec sympathie population. Ariel Henry a joué avec l'esprit nous mesdames messieurs. Qui ça veut dire ou a regardé dans photo Ariel qui chita avec yon représentant département d'état sous dossier Ukraine côté que Ariel a pissé foué quoi en bas avant monsieur Sao fait comprendre que lui-même pays d'Haïti a supporté l'Ukraine pendant ce temps pour nous capable oublier dossier l'homme président Jovenel Moïse mes amis ça pas passé. Ariel, c'est pas l'équipe intelligente dans le pays. Hein? Nous même qui dans les médias, nous et bagayou, et ou même qui peut couvrir ça, n'a pas aidé à comprendre. Avant président Jovenel aller, il était ouvert les yeux, nous, mesdames, messieurs. Faut que nous comprenions ça qui a passé là, c'est grave. Évidemment, département d'État prend responsabilité. Non, Ariel, cité non, non, mon président. Faut qu'elle réponde à une question. Et place-le pas pour la représenter haïtien dans l'international là. Parce que nous pas reconnaître. Mesdames, messieurs, Ariel Henry, doué en bacode, même gens à tout l'autre monde sa ou qui impliqué dans le mort président Jovenel Moïse. Justice pour le pays d'Haïti, justice pour chaque grand haïtien qui est victime d'une façon ou d'une autre. Évidemment, nous pourrons parler sous dossier ça qui est très important, mesdames et messieurs. On nous entre immédiatement avec Salomon qui parle de plus explication par rapport à prisonnier colombien sa yo, qui fait des gros révélations dans le dossier président Jovenel Moïse, pour pas dire également avocat qui entre dans le dossier, combien comme ça va le coûter, il y a un autre scandale. Où... Gros de la République, après nous, en Colombie, ils ont fait dénoncer Léon Charles, il y a un autre scandale encore, il y a un autre député là encore, n'a pas compris José, dans le dossier justice pour le président Jovenel Moïse, comment on a fait dilatoire avec le papa pour qu'il ça. Jusqu'à présent, mouche ça, tout ça, tout le monde de ça, il va vous Ariel Henry, vous pouvoir quitter le pouvoir.
selon information que nous-mêmes, national Haïti PDM Rêve, nous fait arriver jeune. Avocat nous ont réclamé 1 million de dollars pour nous présenter, nous dénoncer les mercenaires colombiens qui incarcérés en Haïti. Ils ont côté gang fédéré par régime PHTK qui exigeait une énorme somme pour libérer. Nous avons dit que nous avons séquestré. Ils ont l'autre côté avocat exigeait les mercenaires colombiens. Ils ont un fort montant qui est capable d'entendre une version faite par l'assassinat de Jovenel Moïse. Ils ont une histoire que Léon Charles, ça doit connaître selon Yon Dadayo. Et des fils en aiguille. 18 ex-militaires colombiens. 18 ex-militaires colombiens, vous savez bien, ils ont été en cause pour participation présumée à l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Une nouvelle qui fait appel avec autorité, qui affirme avec tout droit et garantie, et nous avons parlé procédural, ils ont été violés. Ils ont prétendu, entre autres, ils ont parlé des innocents, ainsi que le journal colombien El Tiempo. Selon El Tiempo, auditeurs, auditrices, Chanel Haïti PDMRF, Fondation pour défense et représentation des forces publiques aux familles, nous lançons alerte by malnutrition, maladie et en général mauvais état santé, monde qui privé de liberté. Ils ont même reposé une lettre manuscrite qui est adressée à le président Ivan Duque, le président colombien, vice-président Marta Lucia Ramirez, et l'autre entité encore. Moun sa yo qui rete dans condition et nous qui inacceptable. Yo vraiment dégradant et nous avons dit dans cette violation qui est flagrante des droits humains. Plus élémentaire encore. Yo demande aide non seulement avec le gouvernement national là et la communauté internationale là pour comment peuple colombien et l'autre pays de capable et ce qui ont fait ou est quoi innocence l'extérieur. Ça veut dire, et selon le journal El Tiempo, yo ke benèg yo en dan pénitencier, yo pa me fè wè dossier, yo ap maltraité yo de quoi pour ta mouri en dan prison, parce que si yo ta mouri, ta fait affaire nèg ici, selon El Tiempo, journal là, qui continue à écrire, selon information qui vive jeune, Chanel Moun en fait bon civil. Chanel Haïti PDMRF, première section, l'EF, qui contient avec compte rendu avec l'état santé, chef colombien yo, yo passé 8 mois derrière barreau en Haïti. Même yon homme de temps, premier ministre Ariel Henry, qui est pouvoir qui impliqué dans le même dossier assassinat selon New York Times et CNN. De manière générale, yon affirmé, yon écrit El Tiempo après, yon était victime de tortures et coups violents, yon prenait plusieurs mondes, diverses parties dans quoi yon, problèmes de santé mentale. Par exemple, yon souligné que ancien soldat Enalbert Vargas, nous avons parlé qu'il y a trois suites dans le dol, qui devant, yon inflammation dans le visage, problème respiratoire. Vous savez bien comment yon fait? Comment yon fait? Comment yon maltraité les Colombiens en dans le pénitentiaire? Il y a un problème, non? Et yon a bien droit, pour te venir là, parce que et qui ça devait chercher? Même là, t'as trompé yon dans la question et assassinat du président Jovenel Moïse, mais je dis, nous, comment pouvoir, gouvernement qui l'a, et mafia, équipe qui l'a, c'est qu'on a dit, il a utilisé des prisonniers pour abattre les Colombiens, pour tuer avant l'air, de quoi pour ne pas parler. Il a dit, je dis, nous-mêmes, tout, dans l'ASP de mes rêves, nous-mêmes, tout, dans le masque que nous allons faire, et 7 avril là, et Jimmy, faut nous demander, faut nous protéger les gens, tout, parce que je dis, nous ne pouvons pas quitter les Colombiens comme ça, sans ne pas parler. Nous ne pouvons pas quitter les Colombiens comme ça, sans que par contre l'autre gouvernement qui pose la question, je dis à nous, on est ici, nous sommes torturés aux Colombiens, même les son crime transnational, même les son crime qui viennent faire en d'un pays, mais je dis à pendant que je vais passer par la justice, pendant que nous avons avocat de 1 million de dollars pour faire apparition, et je dis à nous, on va comprendre, nous avons 10 millions. Vous pensez combien de vins faire? Les avocats ont demandé 1 million de dollars. Est-ce que c'est avocat haïtien qui demande 1 million de dollars? Pour chaque Colombien ou il n'y a pas précisé? Avocat haïtien. Mafia. Selon, n'a pas parlé et n'a pas parlé en même encore. Selon bien, et nous avons parlé en conséquence, toi et toi, si yo, et mais il faut en plus de douleur dans le dos. C'est ce qu'il y a, il n'y a pas de dans le testicule. Nous avons capable dire et nous avons capable de description Manuel Antonio Grosso. Selon les qui a arrêté avec le président colombien, il dit que prisonniers yo a plein, yo pas recevoir un seul repas par jour. Elle dit par jour, un seul fois va manger, si vous voulez, yo y a vie à vivre.
pour composer des assiettes du ruissellement et qui va même dire en rien là-dedans et qui va y a souffert des malnutritions. Il y a mais ça dans les camps, mais on fait mal, on peut récolter mal, mais même tout pour nous veiller et tout parce que on va en normal, elle nous pas bien quand c'est Ariel en comme dit de comme ça, mais Ariel en retour t'as sur les jeunes. Si Ariel dans une, il était pas mis colombien yo. Mon gars, il était pas invité à partir colombien yo. Voilà qui problème. Mais si on voit Ariel Henry, on est avec Léon Charles, on au pile les qui impliqué et si tout les qui dans secteur privé, il y a des jeunes colombiens, c'est pas un problème. Mais c'est lorsque vous avez participé dans le crime, dans l'assassinat, et puis vous avez choisi à torturer les colombiens, de quoi vous ne pouvez pas parler pour être sorti clean dans le dossier. En même temps, tout est auditeur, auditrice dans Haïti, pays de mes rêves, n'a parlé de manière incohérente et. Et ils ont parlé, ils ont même, et Colombien, ils ont révélé en mort. Ils ont même demandé en mort, ils ont entendu pile bruit dans la tête. Ils ont rêvé en nuit, ils n'ont pas dormi. Ils ont dit, ils ont entendu bruit qu'a fait matin, midi et soir. C'est constant, vie Colombien, ils ont été en dents pénitentiaire nationale. En plus, ils ont parlé tout, ils ont même dit, ils ont exposé un grippe, ils ont séri l'autre infection respiratoire. Et ils ont même à continuer à parler. Et par rapport à l'injustice, raison et détention, il n'y a pas communiqué. Il a révélé maintenant les Colombiens, il a déclaré qu'il n'y a pas en mesure pour le jeune avocat pour affaire. Parce que l'avocat de défense n'a pas accepté pour raison de sécurité. Il a demandé $1 million pour présenter. Regardez chaque Colombien, il a demandé comme ça, ça a causé en dans le pays d'Haïti. Ma fille a fonctionné. Mais même juste ça, nous pas même informés. Raison détention nous, ni droit nous, en tant que détenus, et selon eux-mêmes. Ils n'ont pas aucune communication avec la famille. Ils ont affirmé également, ils n'ont pas même présenté, même par un juge. Et le dernier juge qui détendait, c'est rapport de la réponse de la mafia qui dit, mais ça, et un citoyen qui dit, et Jubert Diagon, nous connaissons et tuer des tuiles. Et après quelques déclarations qui étaient faites, selon eux-mêmes, vous êtes torturés. L'ancien des documents, non question, ils ont lettre 21 pages. Signé qui est tamponné, ils ont demandé une aide urgente pour libération immédiate. Ça, parce qu'on n'a pas même besoin de ça. Ça va même besoin de ça. Bon, c'est toi, il y a là, lui-même. Il y a aussi qui a libéré, qui a là-dessus. Bon, m'ajoute un bagage, mesdames, messieurs. On nous comprend bien. Et moi-même, pas pantin dans le jeu de ça. Et actuellement, nous capables de médias colombiens, Jean Noël et critiqué, yo tap sale image docteur Claude Joseph. C'est même bagaille là il a fait la Salomon côté que il a pissé innocenté tête yo, il a pissé fait tête yo passer pour une victime. Je dis là si il y a une victime dans dossier ça, c'est président Jovenel Moïse, c'est famille président, c'est pays d'Haïti. OK, ça important. Ça important. Évidemment, nous pas dit que monsieur qui dans gouvernement là est comme si yo innocent, non. Mais simplement, faut que nous comprenions, faut que nous fassions attention en pile, dans le dossier ça. Parce que, tendez bien, mesdames, messieurs, vous comprenez que vous avez regardé Dimitri Hera qui est en prison. Dimitri Hera, vous avez dit son monde qui est en vacances. Prisonnier ça, qui rentre dans le pays, de façon illégale, vous avez des armes lourdement armées dans le pays, vous avez assassiné un président, Jodia là. Pas besoin, moi-même, pas de sympathie pour vous, Salomon. Nous pas de sympathie pour le monde ça, parce que, en nous allons plus loin. Si les États-Unis t'ont besoin colombien ça yo en claquant les doigts, yo t'a demandé extrader yo. Ou connaît que ni moi-même ni ou même mesdames messieurs, Ariel Henry pa gen youna qui en mesure pour t'a dire non à les États-Unis à département d'État. Nous connaîtrait bien. Dossier ça son dossier faut nous prendre en pile sous lui, son dossier frais.